Mince, j'avais oublié de lancer le rec. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, on a pris la ville. Pour ceux qui n'ont pas vu, enfin pour ceux parce que j'ai pas lancé le rec. Donc ici, on a pris la ville. YouTube, hein, coucou. Ici, on a pris la ville. C'est fini. Je les envoie dans cette ville. Tous les militaires qui étaient là. Ici, ils vont bientôt. Normalement, je vais pas regarder encore. À l'intérieur d'ici, j'ai pas donné les ordres. Alors, c'est laquelle que j'ai donné les ordres? Ah, c'est celle-là. Ici, j'ai donné les ordres. Donc, chacun a ses ordres. Voilà. Ensuite, je vais faire les ordres ben, maintenant d'ici. Parce que vous n'avez pas vu YouTube, mais je vais les faire maintenant. Voilà. Là, on est reparti. Alors, vous, c'est grande place. Vous, ça va être la destruction du QG de la police. Toi, pareil, grande place. Toi, tu me fous le musée en miettes. Toi, ça va être le QG de la police. Et toi, la banque. Ok, c'est pris. Là-dedans, c'est en cours. Ici. Ici, c'est chaud. Messieurs, 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 au lieu d'aller là-bas, vous pouvez pas venir aider ici? J'ai besoin d'un peu de soldats. 9500, 9500, tu vas m'arriver là. 300, 800. 800, 800, 800, tu vas m'arriver d'ici. Voilà, comme ça c'est fait. Allez, on bouge. Eux, ils sont en train d'arriver. Non, mais c'est incroyable, hein. Alors, là-dedans. Ok, messieurs, vous êtes prêts? Grenade contre le palais de combat. Palais de justice, pardon. Vous me le cassez. Ici, c'est fini. Stop, 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 stop. Vous êtes en train de tuer mes soldats, bande de cons. Sont en train de s'auto-tuer, mais c'est pas possible ça. C'est vraiment des gens pas réfléchis. Hop, c'est bon. Ici. Bon, ici, hein, mesdames et messieurs, je prends tout ça. Direction Palais de la Justice. Ah non, pardon, j'avais pas fini. Ici, vous me les démontez, hein. Sauf vous. Vous me les démontez, super. Bah alors. Attendez. Faut que je prenne toute la carte. Enfin, quasi toute la carte. Eux, ils ont même pas été touchés. C'est parti. Vous me prenez cette ville. Comme ça, on l'aura. Le nord, on va l'avoir. Est-ce qu'ici, on a que silence, si Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça revient. Mon micro avait bugué. C'est bon, j'ai rétabli le problème. Bref. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Putain, heureusement. Heureusement que j'avais entendu le pipipip parce que je l'avais pas entendu. Enfin, parce que sinon, j'aurais pas su que le micro ne marchait plus. J'aurais parlé dans le vide. Ça m'est parfois arrivé en plus, hein. Parfois, certains tournages, je suis en mode, je parle dans le vide. J'ai l'air d'un con. C'est juste parce que voilà, hein, ça marche plus. Ici. Alors, ici. Ah oui, ils sont tous. Wow.
Ah bah on voit rien. C'est fini. On a pris la ville. Bonjour. On prend cette ville. Et après on aura fini. Après on aura juste la capitale. Incroyable. Incroyable. Eux, ils arrivent pour prendre cette ville. Eux, ils arrivent pour prendre cette ville. Et il nous restera la capitale, Téhéran. Alors après, il reste encore cette ville-là. On est en train de la prendre. Ça va être un peu compliqué, par contre, cette ville. Ah non, ils se sont bien débrouillés. Ils ont réussi. Waouh. Grand respect. Non. Vous, allez au musée, s'il vous plaît. Vous aussi, musée. Alors, ici, ça donne quoi? Blablabla, super. Très bien. Au niveau économique, 6% de croissance. Ah, mais j'ai un déficit. J'avais pas vu mon déficit. Non, non, je mets en épisode, en fait. Je coupe en épisode, Léo. En fait, là, tout ce que vous voyez, là, c'est en épisode. Voilà. Donc en gros, vous savez déjà ce qui va se passer en avance sur YouTube, en fait. Pas les gens qui sont sur YouTube. Eux, ils ne le savent pas. Quelle est mon inflation? 4,55. 4,74. Mais c'est une très belle... c'est très très bien. Alors, j'ai juste augmenté encore le taux de la TVA. Je vais la passer à 11. Bim. Normalement, ça passe au Parlement et c'est good. Ouais, blablabla. Voilà. Bon, on aura terminé avec l'Iran. Alors, je sais pas si avec l'Iran, avec l'annexion, du coup, on sera tranquille. Enfin, on gagnera beaucoup ou pas. Enfin, dans le sens, on gagnera beaucoup. On aura un excédent budgétaire ou pas. Armée, il leur reste 911 hommes. Donc ils ont quasi plus d'armée. Ils ont plus du tout d'armée. Je voudrais juste voir à l'intérieur, il y a quoi alors dedans? Juste ici, il y a quoi alors? S'ils ont plus d'armée là-dedans, ils ont quoi? Marché conclu. Très bien. Et en plus, tout ce que je suis en train de faire au niveau de l'Europe, c'est très bien. Comme ça, j'ai des informateurs qui sont partout en Europe. Tia Total, calme plat. Ok, ils sont en train de prendre les villes. Du coup, ici, il y a quoi? Que des tanks. Traité de paix. Frontières modifiées. Bah non, mec. Bah non. Non, mec. On fera pas de frontières modifiées, mec. Alors, bon, ici c'est très bien, on a tout pris, Parlement régional, puis on va faire le QG de la police plus tard. Ici maintenant, c'est la concentration. Tout, on est tous près de la capitale. Mais attendez, mais dans la capitale, ils ont plus d'hommes. Allez, c'est parti. Ce petit endroit, cette petite base militaire va mourir. Donc mon petit drone qui passe. Ah. Ça n'a pas tout détruit. Ce petit tank. Qui arrive. Mec, t'as un tank ici que tu dois me détruire. Merci. Et très bien, très bien, très bien, très bien. Il y a des mecs là. Très bien, très bien. On a des gens ici. Excellent, excellent. On va mettre des gens ici. Excellent. Vous, pareil, QG. Parfait. Ici, c'est pris. Hop, à la banque. Et c'est l'affrontement final qui est en train de se passer. Euh...
Tac. Ils ont plus de soldats. Hein. Là, c'est fini. Hein. Ouais, 8 soldats, 21 soldats. Ouais, ils en ont plus du tout. Ils en ont plus du tout. C'est quasi fini pour eux. Hop. Musée. C'est triste. Mais c'est la fin de l'Iran. L'Iran n'existe plus. Enfin, va bientôt ne plus exister. Ils sont morts. Mais ils ne capitulent toujours pas. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont très résistants. Ils n'abandonnent pas. Ce qui est moralement incroyable, hein. Ok, eux, ils arrivent. Toi, QG de la police. Il y a un soldat. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Il y a vraiment un soldat. Hop, le musée est pris. Eux, ils vont au QG de la police. Banque. Oh, on l'a pris! Ça fait une heure, fais gaffe de pas rater ton rendez-vous. Non, non, mais ça va. Je me fixe une heure, après j'ai un petit peu de temps, donc il n'y a aucun souci. Non, mais franchement, il n'y a aucun souci. Je sais, je vais bientôt arrêter d'ici 10 minutes. Ça va être. Je vais arrêter, mais il n'y a aucun souci. Hein. Hop. Alors. Ici, on a ça. Eux, ils ont pris. Toi, va me détruire ça. Oh, ça sert à rien. Va plutôt me détruire le palais de la justice. Eux, ils vont s'en occuper. C'est bon? Oui. Palais de la justice. Hop. Excellent. On a pris la ville. Bon. Il nous reste une ville. Nous avons de fortes présomptions que cette organisation... Une seule... Ah. Eh ben non. J'ai même plus besoin de faire ça. Capitulation de l'Iran. Au nom de mon gouvernement et en tant que chef de toutes les forces armées de l'Iran... Je vous fais part officiellement de la capitulation de notre pays dans le conflit qui nous oppose. Nos soldats vont déposer les armes dès à présent et se placer sous l'autorité de votre armée. C'est la fin de l'Iran. L'Inde annexe, l'Inde détruit l'Iran. Au revoir l'Iran. Merci à tous. Cette guerre était très longue. Hein. Ça fait plus de 6 épisodes hein, cette guerre. C'est la fin. L'Iran est abattu. L'Iran nous appartient. À tous les soldats. Nous allons violer le territoire de ce pays. Revenez chez vous. Mais c'est moi l'Inde. T'abuses là, mec. Hein. Enfin, revenez dans votre pays. Revenez dans votre base respective. C'est là ta base ? Ah d'accord. Salut Junox. Allez, ça retourne aux bases. C'est terminé. L'aventure est finie. L'Iran est annexé. Va être annexé d'ici quelques temps. Par l'Inde. Oh, c'était incroyable cette guerre. Elle était très longue, hein, par contre. Hein. Jamais vu une guerre aussi longue. Mohamed Ali Kozani, fusillé à l'aube. C'est peu avant 6h du matin que s'est déroulée l'exécution de Mohamed Ali Kozani. D'après nos informateurs, l'ex-chef du gouvernement est resté très digne devant le peloton et n'a pas souhaité avoir les yeux bandés. Une des premières fois que je te regarde en stream. La première. Bienvenue en tout cas. Trinox. J'espère que tu as passé une très bonne journée. On annexe.
Alors oui, je sais que le bruitage n'était pas forcément important, mais c'est incroyable. Après, je sais pas combien d'heures de guerre, on avait pris la petite parcelle ici, maintenant on prend le reste. On a détruit. Est-ce qu'on peut avoir les chiffres de la guerre? Ah non, on l'a pas. C'est dommage, on l'a pas. Une bonne journée dans mon lit. Ah ouais, d'accord. Moi, j'étais en cours le matin. Koweït qui m'apprécie pas trop. Notre cellule Dommage qu'on gouvernementale. puisse pas voir les. Moi, j'aurais bien voulu savoir combien on avait. Mauvais chiffre pour le chômage. Maintien limité de soldats sur nouveau territoire. Suite à notre victoire militaire, nous avons décidé de récupérer le matériel ennemi. Concernant les troupes, un certain nombre de soldats étaient maintenus dans les bases du territoire conquis, mais cela reste assez limité. La plupart de nos combattants ayant rejoint leur famille dans leur cantonnement d'origine. Si vous le souhaitez, vous pouvez toutefois donner l'ordre de transférer des soldats supplémentaires dans ces nouvelles bases. Et en plus, il y a une pub qui va arriver, c'est une blague. Je peux pas reporter la pub. Voilà. J'ai suspendu la pub de Twitch. Attendez, quand même. C'est bientôt fini, on n'a pas besoin de faire ça, on n'a pas besoin d'une pub. Mauvais chiffre pour le chômage. Ouais, bon, c'est normal. Bilan du dernier recensement, ok. Dépendance énergétique. Blablabla. Grande pauvreté, production réflexe commercial. Bilan de la Notre guerre. cellule gouvernementale. Oui, on accepte. Belle chaise gaming, la pub. Non, mais je l'ai annulée. Mais t'as une chaise gaming? What the fuck? Excédent. 1,15%. Oh, ça fait du bien cet excédent, je vais pas vous mentir. On est en plus l'un des plus gros producteurs de pétrole au monde. Si je dis pas de bêtises au niveau énergétique. Carburant, c'est pas ça. Pétrole. Infomonde. Oh oui, on est l'un des plus gros producteurs. Oh là 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 là. L'un des plus gros producteurs. On est l'un aussi des plus gros consommateurs, mais par contre, on a une balance commerciale qui est faramineuse, tellement elle est positive. 217 milliards d'euros en balance commerciale positive grâce au pétrole. Et qui a la plus dégueulasse balance commerciale? C'est la Chine, dont on va vendre quasi l'entièreté de notre pétrole. Le Japon, Singapour, l'Allemagne, le Pays-Bas, l'Italie, Taïwan, Espagne, Australie, Corée du Sud, Royaume-Uni, Thaïlande, Pologne, Grèce. Et si je dis pas de bêtises, en plus, les États-Unis ont une balance commerciale positive de leur pétrole. Ils sont exportateurs nets. Putain, ça lag à fond, c'est insupportable. Ah ben, je suis même plus dans le calcul. Bon, tant pis. Ah mais oui, parce que je suis le premier. L'Amérique arrive. C'est-à-dire, si tu annexes la Chine, tu reçois plus d'un million de soldats. Ouais, enfin, après, je vais les détruire, les soldats chinois. Hein. Ah, la Chine, on va les détruire. Hein. Par contre, j'ai très peur, parce que la Chine, eux, la particularité qu'ils ont. A contrario de l'Iran, ils ont plein de bases aériennes, ils ont plein de lance-missiles, et ça va être très compliqué. Plein de lance-missiles, plein de bases aériennes, ça va être très chaud. Donc quand on va attaquer la Chine, ça va être très compliqué. Hein. D'ailleurs, on va encore continuer à augmenter le nombre de nos soldats, on va l'augmenter, on va le mettre à 30 000, 30 millions de soldats. 180 milliards de dépenses. Ils sont tous regroupés. Ouais, mais lors de l'attaque, ils vont tous se disperser, donc ça va être compliqué. C'est ça qui est chaud. Si on va faire l'attaque contre la Chine, L'enlèvement est... ça va être chaud, ça. Bon, en tout cas, notre territoire, il est magnifique, hein. Attendez. On va le regarder comme ça. Inde. Il est très beau, ce territoire. On se rapproche de l'Europe, hein.
on se rapproche de l'Europe. Et ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'on a nos amis. Turquie, Irak, Syrie, Arménie, Azerbaïdjan. Le reste, ils m'aiment pas trop, mais je m'en fous. Moi, je suis content. Hein. Quoi ? Mais ça n'a aucun sens, le Covid, c'est fini. Ah oui, il y a ce bug, j'ai le bug du Covid. Bon, écoutez. Sur la TVA, elle est passée. Très bien. L'Azerbaïdjan qui arrive. Information confidentielle. J'ai les preuves. Poste vacant. Oui, accepte. Relative. Et d'ailleurs, vive l'OL. Ouais. Vive l'OL quand tu regardes Domingo, hein. Mais pas vive l'OL quand tu regardes dans la vraie vie. Attends, mais t'as vu les dernières annonces, là? Déjà, Mohamed Alarouche, ça me fait chier qu'il parte. Mais alors là, Cherki, Gusto qui va partir. Et si par contre, ils disent Loukeba, là, j'ai explosé, j'ai pété un câble. Très content d'avoir vendu tous mes actions, d'ailleurs, hein, de l'Olympique Lyonnais Group. Je vais les mettre ailleurs, hein, du coup. D'ailleurs, ils sont déjà préparés à l'achat. Travail, logement. Alors, c'est pas ça. Alors, par contre, on va investir massivement dans la réhabilitation de logement. M'en bats les couilles de la prise d'otage. Loukeba, je pleure s'il part. Moi, je pleure surtout quand si Mohamed Alarouche, il part. Mohamed Alarouche, il peut pas être vendu, c'est pas possible. Oui. Baisse encourageant du chômage. Très bien. Non, mais la Chine, on a toutes les preuves au monde qui sont en train de tricher. 5,95% de croissance. Balance commerciale ultra positive. J'ai pas vu au niveau du gaz. Au niveau gazier, ça donne quoi? On est l'un des plus gros producteurs, vu que en plus l'Iran a une énorme semence de... L'OL direction Ligue 2, Saint-Etienne Ligue 1. Ouais, non, Saint-Etienne, ils vont plutôt aller en national, hein. Vu comment ils sont derniers, si je dis pas de bêtises en plus. Ouais, non, c'est de la merde. Oui. Fête religieuse, on s'en fiche. Là-dessus. Inondation. Tac, 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 tac. Dernier, ouais. Ouais, c'est ça, ils sont derniers. Bon, en plus, ils vont aller en national, donc... Ah putain, la pub, elle a été lancée. Ah non, elle va bientôt être lancée. Bonne chance, hein, ceux qui vont se mater la pub. Hein. hôpital. Santé. Voilà, il y a des petits trucs, là. Merde, non. Voilà. Modernisation, ça on l'a fait. Transport. Transport, c'est très important. Et hop, la pub est balancée. C'est incroyable. Qu'est-ce que je voulais regarder? Travail aussi, ça c'est important. Ok, ça c'est fait. Le sport. Bim. Et les disciplines. Ah, ils ont été touchés aussi. Je l'ai pas. Mais ça, c'est peut-être parce que t'as Twitch Prime. Laisse la pub, pas grave, fais de l'argent. Ouais, bon, je me fais pas beaucoup de pognon avec Twitch. Hein. Twitch, c'est pas. YouTube, ça me rapporte. Mais pas Twitch. Mais à terme. À terme, ça sera peut-être Twitch si je suis beaucoup plus régulier. Et si je fais un planning de mes lives, ça serait sympa. Twitch Money. Ouais, par contre, Twitch, ça rémunère bien. Hein. Quand on est bien actif et quand on a pas mal de viewers. Hein. Donc, sport. On est good. Média. Média, ça sert à rien pour le moment. Transport, on a fait. Santé, on a fait. Les femmes. Voilà, ça, on n'a pas fait. Y a-t-il autre chose? Police, ça c'est important. Tiens, ça et ça. Va sur TikTok, c'est rentable. Je déteste TikTok. Je n'aime pas TikTok.
J'ai fait 100 euros. Ah, bien joué. Ouais, j'aime pas TikTok. Donc, je n'irai pas sur TikTok. Mais je sais que ça se fait beaucoup de pain oignon là-bas. Mais je m'en fous. C'est pas forcément ce qui m'attire le plus. Bon. Eh bien, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là. Pour ce live et pour YouTube, on s'arrête là pour cet épisode. Salut YouTube!